bien. On va courir partout dans la salle, dans n'importe quel sens, sans se toucher. Numéro 2. 4. On tient, on descend bien. Donne-nous tes ressentis de tes combats à Paris. Premier combat, c'était compliqué parce que j'ai eu du mal à perdre mon poids le jour avant. Du coup, j'étais rapidement fatigué et en plus, j'étais mené. Mais je suis resté concentré. Finalement, je suis remonté au score et j'ai gagné pénalité. Deuxième combat, c'était assez rapide. Un adversaire que je ne connaissais pas en compétition, mais que j'avais déjà pris à l'entraînement. Pareil, je fais ma technique et je lui ai mis point assez rapidement. Puis en demi-finale, c'est un Japonais. Les Japonais, c'est toujours des équipes fortes. C'était préparé à l'avance de l'étrangler. Je l'ai préparé avec Kataguruma. Je suis tombé dans la position quasi directement. Et puis, je l'ai étranglé tout simplement. Et en finale, Palchik israélien, c'est un adversaire très très fort que j'avais battu un an avant. Pareil, au Golden Score, après quasi 6 minutes. Je pense qu'à chaque fois qu'on va se prendre, ça va être des combats intéressants et longs parce que c'est un adversaire vraiment de qualité. Mais le nouveau règlement a joué en ma faveur et finalement il s'est fait disqualifier et je gagne et je suis très très content. Félicitations. Merci. Pourquoi est-ce que le Grand Chelem de Paris est le tournoi le plus prestigieux au monde? Tout simplement parce que c'est un des plus anciens, si pas le plus ancien au niveau international. Toutes les grands judokas y ont participé, toutes générations confondues bien sûr. Il y a plus de 50 pays qui participent chaque fois. Maintenant ça se fait à Bercy, donc à Bercy il faut quand même compter entre 9 et 12 000 personnes. C'est hyper médiatisé comme tournoi et surtout c'est comparable par rapport à d'autres sports comme le Roland-Garros. Donc voilà, donc on peut situer cela ou alors rapport aux courses cyclistes par exemple à Paris-Roubaix. Donc c'est vraiment un des gros monuments qui existent sur le circuit international au niveau du judo.